الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم هريرة رضي الله عنه il dit dans un hadith qui est rapporté par l'imam Muslim, qui est rapporté par l'imam Al-Bukhari. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsque Allah aime un de ses serviteurs, il appelle Jibril alayhi salam et il lui dit « J'aime un tel, j'aime telle personne, alors aime-le. » Et Jibril alayhi salam l'aime. Puis Jibril alayhi salam, il lance un appel dans les cieux et il dit aux habitants des cieux, Allah aime un tel, alors vous aussi aimez-le. Et les habitants des cieux l'aiment. Puis il lui est donné l'acceptation, il devient aimé, apprécié, accepté sur terre. Ce hadith-là, il est important parce qu'il nous parle de quoi ? Il nous parle d'une des qualités de Dieu. Allah, parmi ses qualités, c'est qu'il aime. Allah, il aime. Pourtant, parmi les noms d'Allah, on n'a pas Al-Muhib, celui qui aime. Qu'est-ce qu'on a comme nom parmi les noms d'Allah qui montre que Allah, il a cette qualité de l'amour ? Ça vous dit quelque chose ? Vous connaissez les 99 noms d'Allah ? Hein ? Qui connaît ici les 99 noms d'Allah ? C'est pas par orgueil, c'est pour motiver, voilà. Bah, Inch'Allah, pendant les vacances-là, on apprend les 99 noms d'Allah. Il y a quoi ? Il y a 30 jours. Allez, on en apprend 3 par jour. Dans un mois, on a terminé. 3 par jour dans 33 jours. Et oui, il y a des taqriban. Parmi les noms d'Allah, il n'y a pas Al-Muhib. Il y a Al-Na'am, c'est dit ? Al-Wadud. Parmi les noms d'Allah, il y a le nom Al-Wadud. Et c'est quoi la différence entre Al-Muhib et Al-Wadud ? Allah, il nous dit qu'il aime. Dans ce hadith-là, on apprend qu'Allah aime. Pourtant, Allah, il ne s'appelle pas le Muhib, mais il s'appelle Al-Wadud. Tous les deux, ces deux noms-là, ils ont un rapport avec l'amour de Dieu. Ils nous montrent que Allah, il aime. D'accord ? Mais pourtant, Allah, il a choisi de s'appeler Al-Wadud et pas le Muhib, parce que le Wadud, c'est supérieur à le Muhib. Al-Wud, c'est supérieur à Al-Mahabba, Al-Hub. Hein ? Vous connaissez le Hub, l'amour, Al-Hub, hein, Al-Mahabba, d'accord ? Mais Al-Wud, c'est un degré supérieur. C'est quoi ce degré supérieur ? C'est quoi la différence entre Al-Hub et Al-Wud ? Je suis désolé, on est obligé de faire des parallèles avec l'arabe. Parce que dans l'arabe, il y a des sens qui sont attachés spécifiquement à cette langue. Allah Ta'ala, il ne s'appelle pas Al-Muhib, il s'appelle Al-Wadud. Parce que quelle est la différence entre Al-Hub ou Al-Wud ? Al-Hub, c'est l'amour, le sentiment qu'on a pour une personne. Deux personnes, ils s'aiment. Un amour fraternel. Moi, j'ai un ami, c'est mon frère, on partage tout, on aime passer du temps ensemble, on discute ensemble, etc. D'accord ? Ça, c'est le mahabba, Al-Hub. D'accord ? Fillah. Mon ami et moi, on décide de passer un moment ensemble, un moment fraternel, un moment d'amour, et on va au restaurant. On va au restaurant, on mange ensemble. Et à la fin de notre repas, lui il se lève, moi je me lève, chacun il va, il paye sa part. Moi j'ai pris un café, j'ai pris une entrée, un dessert, je paye mon entrée, mon dessert, mon café. Et lui il paye sa part aussi. Ça s'appelle Al-Hub. Lui, il est Muhib et moi, je suis Muhib. Par contre, si moi, je lui dis, écoute mon frère, l'addition,
elle est pour moi. C'est moi qui paye. Maintenant, on est passé de Al-Mahabba vers quoi ? Vers Al-Wud. On est passé vers Al-Wud. Al-Wud, c'est le fait d'aimer, mais c'est aimer plus quelque chose. C'est le fait d'aimer et de manifester cet amour. Eh bien, Allah Ta'ala, lorsqu'il aime quelqu'un, il manifeste son amour. Si tu es aimé d'Allah, Allah, il te montre qu'il t'aime. Comment est-ce qu'il montre qu'il t'aime ? La première chose, il convoque qui ? Jibril alayhi salam. Celui qui est... C'est un ange, mais ce n'est pas n'importe quel ange. C'est l'ange qui a pour mission de transmettre la révélation. C'est l'ange qui a rencontré tous les prophètes, alayhi salatu wassalam. Eh bien, Allah, il convoque qui ? Il convoque Jibril alayhi salam pour lui annoncer quoi ? Pour lui annoncer qu'il t'aime. Inna Allaha idha ahabba abdan da'a Jibril alayhi salam. Lorsque Allah aime une personne, il appelle Jibril alayhi salam. Et qu'est-ce qu'il lui dit ? Il lui dit, j'aime un tel, j'aime cette personne-là. D'accord ? Toi, tu es aimé de Dieu. Allah, il dit, écoute, lui, je l'aime. Alors, aime-le. Qu'est-ce qu'il dit le hadith ? Il dit, tout de suite, فَأَحَبَّهُ Jibril. Tout de suite, vient l'ordre. Allah, il donne son ordre, il dit, j'aime un tel, aime-le. Tout de suite, il devient aimé de Jibril, alayhi salam. À l'instant même, parce que les anges, ils obéissent à Allah dans tout ordre. Et jamais ils ne peuvent désobéir à son ordre. Dès que vient l'ordre d'Allah, il y a l'obéissance. فَيُحِبُّهُ Jibril. Il devient aimé de Jibril, alayhi salam. L'ange Gabriel, il t'aime. Tu es aimé d'Allah, tu deviens aimé de l'ange Gabriel. Et ensuite, qu'est-ce qu'il va faire l'ange Gabriel, alayhi salam ? Ce qu'il va faire, il ne va pas le faire de lui-même. C'est parce que c'est Allah qui lui demande de le faire. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va lancer un appel dans les cieux. Et il va dire aux habitants des cieux, aux anges, les malaïka, il va leur dire, Allah aime un tel, alors aimez-le. Je reviens juste sur le hadith en arabe. Qu'est-ce qu'il dit ? Jibril alayhi salam yunadi fi sama wa yaqul inna Allah yuhibbu fulanan wa la yaqul inna Allah ahabba fulanan. راكم معايا انتما اللي كتعرفوا اللغه انتما العرب انتما اللي عندكم المعرفه بهذا الشيء هذا انا غير كنتعلم منكم واش دابا اذا قلنا ان الله يحب وان الله احب واش عندنا نفس المعنى الفعل المضارع يساوي ربح الفعل الماضي الفعل الماضي يدل على ماذا Là, je parle aux arabophones, parce que c'est un sens qu'on peut trouver que dans l'arabe. Naam, naam. Yadullu ala hadathin waqa'a wa fil madi, naam wa la. Wanqata'a, Allah yjazik bikhair. Voilà, c'est ça que je voulais. Wanqata'a. Amma le fi'l al mudari'a. الاستمرار بارك الله فيك فالله سبحانه وتعالى بارك الله فيك يا سيدي فالله سبحانه وتعالى إذا الله فيقول جبريل عليه السلام إن الله أحب فلانا أو إن الله يحب فلانا إن الله يحب فلانا بالاستمرار بالاستمرار إذا أحبك الله Je disais dans le hadith en arabe, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit donc que lorsque Allah il aime son serviteur, il appelle Jibril alayhi salam. Il lui dit, j'aime un tel, alors aime-le. Et Jibril l'aime.
Et puis ensuite, Jibril alayhi salam, il va lancer un appel dans les cieux et il dit « Allah aime un tel ». Il dit « Allah aime ». Il ne dit pas « Allah a aimé un tel, alors aimez-le ». Allah aime un tel, alors aimez-le. C'est quoi la différence dans la langue arabe entre l'utilisation du passé et du présent? Si on avait eu le verbe ici au passé, Allah a aimé un tel, alors le passé dans la langue arabe, il signifie que l'action s'est terminée. Tandis que le verbe présent, lui, il indique la continuité. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que Jibril alayhi salam, il dit quoi? Allah aime un tel. C'est-à-dire que lorsque Allah, il aime son serviteur, il l'aime avec constance, avec continuité. Si tu arrives à être aimé d'Allah, aujourd'hui, tu bénéficies de cet amour dans la continuité, dans la constance. Alors c'est quelque chose d'être aimé de Dieu, d'arriver à être aimé d'Allah. Ça va? Je fais des passages avec la langue arabe, mais ça va, c'est clair, c'est facile. Allah, lorsqu'il aime un serviteur, il appelle Jibril alayhi salam et lui dit « J'aime telle personne, alors aime-le. » Et il devient aimé de Jibril alayhi salam. Puis Jibril alayhi salam, il lance un appel dans les cieux, il dit « Allah aime un tel, alors aimez-le. » Et il devient aimé des gens des cieux. D'un amour qui est continu, qui est sans cesse, qui ne s'arrête pas. Pourquoi? Parce que Allah, lorsqu'il aime une personne, il lui manifeste son amour. Il lui manifeste son amour et il le rend aimé de Jibril alayhi salam, il le rend aimé des habitants des cieux et il le rend aimé des gens de la terre. Puis, on le rend apprécié, accepté, aimé sur terre. Voyez? Celui qui est aimé d'Allah, il est aimé de Jibril, alayhi salam, il est aimé des habitants des cieux et il est aimé des habitants de la terre. L'amour d'Allah, c'est un trésor. C'est une... Naam, est-ce dit ? Un amour éternel. Allah. C'est un amour éternel. C'est un amour éternel et c'est un amour accessible. Interminable, naam, walakin accessible. Être aimé des hommes, des êtres humains, des hommes avec un grand H, c'est facile. Hein? Même Allah, celui qui donne la subsistance à toutes les créatures, celui qui les a créées, celui qui les fait vivre, il n'est pas aimé de tout le monde. Allah, ça c'est Allah Azza wa Jal. Comment toi et moi, hein? هذا رضا الخلق قصد لا يدرك. Être aimé des gens, c'est un objectif qui n'est pas accessible. Mais d'être aimé de Dieu, ça c'est accessible. Et c'est de ça dont je voudrais parler aujourd'hui avec vous. Comment réussir à être un aimé de Dieu? Parce que si tu es aimé de Dieu, alors, tu as tout gagné. Si tu arrives à te faire aimer d'Allah, tu as tout gagné. Qu'est-ce qui te reste d'autre? فقلت أن صفة المحبة يعني ثابتة. هذا يعني بدليل هذا الحديث. وكذلك في القرآن الكريم. نجد أن الله سبحانه وتعالى يحبه ونجد ذلك يعني الله سبحانه وتعالى يثبت أنه يحب وهذا عن طريقة الإعجاز. تعلمون أن القرآن الكريم هو كلام الله المعجز، بمعنى القرآن فيه إعجاز، إعجاز في لفظه، إعجاز في معناه، وإعجاز في أثره. يعني الإنسان تيكون بعض المرات ما تيفهم العربية، قاع ماشي مسلم،
ولكن تسمع القرآن كيتأثر يعني القرآن له تأثير على النفوس وهذا راه فيه إعجاز. قلت أن هناك نعم الإعجاز اللفظي هذا الباب باب يعني باب كبير وفي هذا الباب عندنا واحد نوع من الإعجاز اللي كتسمى الإعجاز العددي. ما معنى الإعجاز العددي؟ أن في القرآن الكريم نجد واحد نوع من التوازن بين عدد بعض الكلمات. مثلا ذكر في القرآن الكريم 115 مرة كلمة الدنيا و115 مرة الآخرة، يعني شتو واحد التوازن. فكذلك في القرآن الكريم ذكر 16 مرة الله يحب و16 مرة الله لا يحب، توازن بين الله يحب الله لا يحب، وهذا التوازن راه عنده دور. دونك جو ديزي كو الله تعالى le hadith qu'on a dit tout à l'heure, qu'on a cité, lorsque Allah aime une personne, alors il appelle Jibril alayhi salam. Ce hadith-là, il nous montre que Allah aime. Et cette qualité de l'amour divin, de l'amour que Dieu peut apporter à quelqu'un, on le trouve aussi, on la trouve aussi dans le hadith. On la trouve dans le hadith, pardon, dans le Coran. Vous savez que nous, on a deux grandes sources, le Coran ou la Sunna. Hein? Le hadith, le Coran et le hadith. Allah Ta'ala, dans le Coran, il nous dit aussi qu'il aime. Il nous dit qu'il aime. Il nous dit qu'il aime et il nous parle de son amour d'une façon particulière parce qu'il utilise une sorte de miracle, un miracle coranique pour nous dire qu'il aime. Vous savez que le Coran, c'est la parole de Dieu qui est miraculeuse. C'est la parole d'Allah qui est miraculeuse. Qu'est-ce que ça veut dire, elle est miraculeuse? C'est que c'est un miracle, et le mot miracle aussi, elle est ijaz, dans le sens où c'est un défi aussi. Dans le Coran, il y a Allah a défié les Arabes avec le Coran. Vous savez que lorsqu'il y a la révélation coranique, le Coran est révélé en langue arabe, et Allah il met au défi les Arabes. Il leur dit, écoutez, vous qui pensez que vous maîtrisez la langue, que vous êtes éloquents. Vous savez, les Arabes, c'était ça leur plus grand art. C'était la maîtrise de la langue. D'ailleurs, pour eux, le monde, il se divise en deux personnes. Les Arabes, d'accord, ceux qui parlent la langue arabe. Et c'est quoi l'autre? L'autre partie du monde, c'est qui? L'Ajam, naam. Et l'Ajam, ça veut dire quoi? Ghir l'Arab, mais qu'est-ce que c'est l'Ajam? L'Ajami, c'est celui qui ne sait pas. الكلام وليس العربية الذي لا يثقن الكلام، هذا هو العجمي. العجمي راه هو هذاك اللي ما يعرف يتكلم كاع، سي سا العجمي. Les Arabes, ils avaient divisé le monde en deux. Ils avaient dit, ils ont les Arabes, ce sont ceux qui maîtrisent la langue arabe, et l'ajam, ce sont les non-arabes, c'est vrai. Mais qu'est-ce que ça veut dire, l'ajami? Ça veut dire quoi? C'est ceux qui ne savent pas parler, qui ne savent pas s'exprimer. C'est-à-dire que pour eux, tout ce qui n'était pas l'arabe, la langue arabe, c'était juste du bruit. Voilà. Il y a soit ceux qui parlent l'arabe, et dans ce cas-là, ce sont des gens éloquents, soit des gens qui font du bruit avec leur bouche. Voilà. Et bien Allah Ta'ala, il a voulu les défier, ces gens-là. Il a dit, attendez, venez, vous qui prétendez, vous êtes les Arabes, vous êtes éloquents, regardez, moi je vais vous défier avec quelque chose que vous pensez maîtriser le mieux, la parole.
Et je vais révéler un livre dans une langue que vous maîtrisez, dans une langue que vous comprenez, et pourtant vous serez incapable d'apporter ne serait-ce qu'un verset semblable à ce que je vous révèle. Vous voyez ? C'est un défi, le Coran. Allah, il défie les gens avec le Coran. Donc, c'est ça le sens du mot i'jaz. C'est un miracle, c'est vrai, mais c'est un défi. Et donc, Allah Ta'ala, pour défier les Arabes avec ce qu'ils pensaient maîtriser le mieux, la langue, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va mettre dans son Coran des miracles liés à cette langue arabe. Et parmi ces miracles, il y a le fait qu'il va mettre un équilibre entre certains mots. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il va mettre un équilibre entre certains mots. Dans le Coran, il va parler, par exemple, 115 fois du mot « dunya », ce bas monde. Et 115 fois, il va évoquer le mot « akhira », l'au-delà. Vous voyez, un équilibre. Hein ? Il dit autant de fois, 115 fois, « dunya », ce bas monde, 115 fois « akhira ». Dans tout un livre, ce n'est pas quelque chose qui arrive comme ça par hasard. C'est un miracle. Il y a plein d'autres exemples comme ça. Eh bien, Allah Ta'ala, pour nous parler de son amour, il va utiliser aussi ce miracle-là. Il va utiliser aussi ce défi. Et il va mettre un équilibre. Il va dire 16 fois « Allah aime » et 16 fois « Allah n'aime pas ». 16 fois, il dit qu'il aime et 16 fois, il dit qu'il n'aime pas. Pourquoi il met cet équilibre-là ? Pour que toi qui lis le Coran, tu le lises et que tu sois, interpellé dans ta lecture. Si Allah, il dit, il met un équilibre là-dedans, c'est qu'il y a quelque chose. Il veut t'interpeller par ça. Et donc, Allah, 16 fois, il nous dit qu'il aime. À 16 reprises, il nous dit qu'il aime. Et à 16 reprises, il nous dit qu'il n'aime pas. Pour nous appeler, pour nous faire comprendre que son amour, ce n'est pas quelque chose d'anodin, ce n'est pas quelque chose qui est, c'est pas quelque chose à côté duquel on peut passer. On peut passer à côté de plein de choses dans notre vie, mais l'amour de Dieu, c'est vraiment ce qu'il ne faut pas rater. Réussir à être aimé d'Allah, ça c'est quelque chose à côté duquel il ne faut pas passer. Ça doit être ça, le premier de ton souci, c'est ça. C'est d'être aimé de Dieu. D'arriver à ce que tu sois aimé d'Allah. Parce qu'on a dit que lui-même, de toute façon, il aime et il se présente comme celui qui aime. Il est El-Wadoud. Vous allez vous rappeler de ce nom-là. El-Wadoud. Il est El-Wadoud. Et en plus de ça, il nous dit... Voilà, moi j'aime, Allah aime, 16 fois, à 16 reprises. Et puis, dans le Coran, quand il nous dit qu'il aime, de qui Allah il nous parle quand il dit Allah aime ? D'après vous, qu'est-ce qu'il va nous dire ? Qu'est-ce que Allah il aime ? Barakallahu fik. Est-ce que hal najidu fil Qur'an Allahu yuhibbu al musallin? Qad aflaha al mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. La najid an Allah yuhibbu al musallin. La. طبعا الله سبحانه وتعالى يحب الذي يصلي نعم ولكن الله سبحانه وتعالى ما ذكر في القرآن إن الله يحب المصلين علاش تنقول لكم هادشي ماشي انك راه انت بلا ما تصلي راه ماشي هذا هو الهدف ان الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم اشخاص لكي نقتدي بهم الله il a donné dans le Coran. Il a cité des gens, des catégories de gens, voilà. Des catégories de gens qu'il aime. Pourquoi ?
pour qu'on puisse les suivre, pour qu'on puisse les imiter. Vous savez, souvent je dis ça. Allah, dans le Coran, Allah, quand il a révélé le Coran, il l'a révélé pour qu'on puisse le vivre. C'est un livre qui a pour objectif d'être vécu, d'être mis en pratique. Pas simplement d'être retenu ou d'être récité ou d'être psalmodié. L'objectif du Coran, c'est de le vivre. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il était un Coran qui marchait. Lorsqu'on a interrogé son épouse sur quel était le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a répondu, c'était son comportement, c'était le Coran. Vous voyez, le Coran, c'est un, il doit nous donner un modèle de vie. Hein, le Coran, il doit nous inspirer. Voilà, c'est ça. Le Coran, il doit inspirer notre mode de vie. Et donc, Allah Ta'ala, dans le Coran, il nous donne des exemples pratiques. Il nous dit, quand il nous dit qu'il aime, il nous dit, Allah aime, par exemple, il aime al-muhsinin. Il aime il aime les patients, il aime ceux qui se purifient, ceux qui se repentent. On a parlé tout à l'heure dans le Jumu'a du repentir, hein, du retour vers Allah. Hein. Il aime al-muqsitin. C'est quoi al-muqsitin? Il aime ceux qui sont justes. Vous voyez, Allah, il donne des qualités, des principes. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Allah, il donne des principes. Allah, il aime les gens de principes. Des principes qui sont universels. Des principes qui sont universels. C'est-à-dire que tout le monde peut être juste à n'importe quelle époque, en n'importe quel lieu, avec n'importe qui. Et Allah, il dit qu'il aime les justes. Amen, c'est dit. Oui, c'est ça. Le Coran, il nous influence pour faire de nous des gens meilleurs. Et Allah, il nous dit, voilà, j'aime le fait que mon serviteur, il se dépasse, il devienne meilleur. Et donc, il nous donne comme ça, dans le Coran, on a des qualités de personnes, des catégories, voilà, c'est ça, des catégories de personnes qu'Allah évoque, et il nous dit, ces gens-là, je les aime. Et s'il nous le dit, c'est pas juste pour qu'on en ait l'information, c'est pour que nous aussi, on devienne comme eux. Si Allah il nous dit, et certes, Allah aime les justes, et certes, Allah aime ceux qui ont la confiance, hein, ceux qui ont tawakkul, ceux qui ont la pleine confiance en lui. Hein. Si Allah il nous dit ça, c'est pas juste pour qu'on lise comme ça et on a fermé, salam alaykoum. Ah tiens, Allah il aime les justes et moi je continue d'être injuste. Allah il aime les bons et moi je suis mauvais. Hein? Non. Si Allah il te dit qu'il aime telle catégorie de personnes, il est en train de te dire, hé, toi, sois comme eux. Sois comme eux. Alors, ça va, il y a qu'on n'est pas trop long. Parce qu'il y a plusieurs doros, donc on peut faire la suite la prochaine fois. Ce que je vous propose, on va d'une catégorie aujourd'hui, d'une catégorie de personnes que Allah aime. Et ensuite, on verra. Si on continue ou on ne continue pas, on verra ça après le dars, inshallah, quand on va s'asseoir ensemble. Allah, subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il nous parle d'une catégorie de personnes qu'il aime. Et je vous ai dit que combien de fois Allah il dit qu'il aime dans le Coran? Combien? 16 fois. 16 fois Allah il nous parle de ceux qu'il aime. Eh bien, ceux qu'il va évoquer le plus, c'est qui? D'après vous? Hein? Vous êtes marre wahida, le Coran.
Qui est-ce qu'il aime, qui est-ce que Allah il évoque le plus dans le Coran? Ce qu'il aime le plus. Les patients, non. Non, non. Sallallahu alayhi wa sallam. Alors là, on ne parle pas de l'amour de Dieu pour le... 16 fois, Allah, il parle de ceux qu'il aime. Il nous donne... je disais des qualités. Hein, qu'est-ce qu'on avait dit? Des principes. Mabadi. Voilà, des principes. Non, je vous le dis. Ce qui Allah évoque le plus dans ces 16 fois, c'est Al-Muhsinin. Les Muhsinin. Ah. Combien est-ce que Allah il évoque ça dans le Coran? Il dit Allahu yuhibbu al-Muhsinin. Wallahu yuhibbu wa inna Allah yuhibbu. Al-Muhim, Allahu yuhibbu al-Muhsinin. Shal marra. Combien de fois? 5 fois. Combien de fois il dit Allah aime, Allah yuhibbu? Combien de fois? 16 fois. Combien de fois il dit Al-Muhsinin? 5 fois. Hein? 5 fois. Allah il nous dit qu'il aime une catégorie de gens qui s'appelle Al-Muhsinin. Hein? Al-Muhsinun, c'est qui ça, les Muhsinin? Qu'est-ce que ça veut dire Al-Muhsinin? Al-Ihsan, je laisse ce mot-là. Al-Muhsinin, pour l'instant, je le donne que comme ça. Je dis, Allah, il aime les Muhsinin. D'accord? Juste ça. Allah, il aime les Muhsinin. Et on va voir après, qu'est-ce qu'on peut mettre derrière ce mot-là, Al-Muhsinin. C'est qui ça, Al-Muhsinin? Al-Ihsan, ça vous dit quelque chose? Qu'est-ce que c'est que l'Ihsan? Oh. أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا تعريف نبوي بارك الله فيك. Le prophète صلى الله عليه وسلم il dit que l'ihsan, voyez, les muhsin, c'est ceux qui ont la qualité de l'ihsan. D'accord? Allah il aime ceux qui ont l'ihsan. Pour l'instant, je vous dis ça, en fait, je ne vous ai rien dit pour les francophones, parce que l'ihsan, qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas encore. On avance. L'ihsan, dans le hadith de ce qui est connu sous le nom de hadith Jibril alayhi salam, le prophète sallallahu alayhi salam il dit Al-Ihsan, c'est que tu adores Dieu comme si tu le voyais, et si tu ne le vois pas, sache que lui te voit. Anta abudallaha ka'annaka tarah fa lam takun tarah fa innahu yarak. Al-mushahada wal muraqaba. L'Ihsan, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le fait d'adorer Dieu comme si tu le voyais. D'accord? C'est le fait d'être... L'Ihsan, c'est le fait de sentir que l'on est en présence de Dieu à chaque instant. Al-Muraqaba. Parce que si toi, tu ne le vois pas, sache que lui, il te voit. Anta abudallah ka'annaka tara. Qu'est-ce que ça veut dire que tu adores Dieu comme si tu le voyais? On peut voir Dieu? Hein? Mais qu'est-ce que ça veut dire alors? Est-ce que Nabi Sarsam va nous dire quelque chose qui est impossible? Non. Qu'est-ce que ça veut dire adorer Dieu comme si on le voyait? D'après vous? En faisant ce qu'il aime, oui, c'est l'adorer comme si on le voyait, ouais. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça, comme si on le voyait? Non? Par la crainte? Par la sincérité, par la dévotion. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire adorer Dieu comme si tu le voyais? C'est que dans chaque chose que tu vois, chaque créature que tu vois en elle la manifestation divine. Tu vois en elle la manifestation de Dieu. Quand je regarde une personne, je ne m'arrête pas simplement à un nez, une bouche, deux oreilles. Je vois dans ça
la perfection d'Allah, la création d'Allah. Lorsque je vois un coucher de soleil, je ne vois pas juste une lumière qui est en train de disparaître dans l'horizon. Je vois la beauté d'Allah. Je vois le système qu'Allah a réglé. Lui, comment est-ce qu'Allah a réglé cet univers? Quand, vous voyez, c'est ça. Naam Sidi? Pour ceux qui n'ont pas entendu, le frère, il a dit, en lisant le Coran, le Mus'haf, on prend le Coran, on lit le Coran et on peut voir la création, on peut voir cette grandeur de Dieu. C'est vrai. Mais il y a plusieurs types de Coran. Vous savez ça? On a le Coran qui est écrit. D'accord? C'est le Coran, le Karim. Mais on a aussi le Coran. Naam, barakallahu fik sidi. Ma ma'na le Coran le manzour? Le Coran le manzour. Il y a le Coran qu'on lit, qui est écrit. Mais tout ce qu'on voit, c'est aussi un Coran. C'est aussi ce Coran qui est visuel, à travers la création d'Allah, on voit sa grandeur, on voit sa puissance, on voit sa beauté, on voit sa majesté, on voit sa bonté, sa générosité. C'est pour ça que Allah, il dit, il y a dans la création des cieux et de la terre des signes, hein, et dans l'alternance des jours et de la nuit des signes. Juste regarde, tu vas voir des signes, tu vas voir la grandeur d'Allah. Naam Sidi? Allah il parle aux Arabes. Regardez, Allah il parle aux Arabes et il parle avec les choses que eux ils ont. Le Coran al-Mandhur. Qu'est-ce que eux ils voient? Hein? Il dit, est-ce qu'ils n'ont pas vu? Comment est-ce qu'on a créé les chameaux? Comment est-ce qu'on a élevé les cieux? Comment on a comment on dit en français? Comment est-ce qu'on a établi les montagnes? Comment est-ce qu'on a aplani la terre? Hein? Vous voyez, Allah, il appelle à ça, hein, à méditer, à regarder ce qui nous entoure. Bon, voilà là où est-ce qu'on était. Adorer Allah comme si tu le voyais. Et c'est ça, adorer Dieu comme si on le voyait. C'est que avant, lorsque tu poses ton œil sur la créature, ton esprit et ton cœur se dirigent d'abord vers le Créateur avant la créature. Pas facile, hein? C'est un travail. C'est pour ça, il y a les pieux, ils disent quoi? Ils disent l'ihsan, c'est ça. C'est les lunettes avec lesquelles tu vois le monde. L'ihsan, c'est les lunettes avec lesquelles tu vois le monde. C'est regarder le monde avec cet œil qui te ramène vers Dieu. On a parlé tout à l'heure de ar-rujou', le fait de revenir vers Dieu. C'est ça l'ihsan. Enfin, du moins, un des sens de l'ihsan, c'est ça. Donc Allah, il aime les gens qui ont cette qualité de l'ihsan. Et on a vu ici une définition de l'ihsan. C'est d'être constamment, ceux qui sont constamment en présence de Dieu. Allah, il aime ceux qui sont constamment en présence de Dieu. Très bien. Si Allah, il aime les muhsinin, d'accord, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jibril, alayhi salam, il aime les muhsinin. Que les habitants des cieux, ils aiment les muhsinin, mais également que les gens sur terre aiment les muhsinin. Alors comment est-ce que l'ihsan, ça pourrait être simplement le fait de revenir à chaque instant vers Dieu et que ça plaise aux gens? Qu'est-ce que les gens, ils peuvent, en quoi les gens, ils peuvent aimer ça? Qu'est-ce qu'ils peuvent le savoir que, comment est-ce que moi, je peux savoir que quand toi, tu me regardes, en vérité, ton cœur, il se tourne vers Dieu? On ne peut pas le savoir, ça. C'est que l'ihsan, il a un autre sens aussi. Regardez. L'ihsan, les gens, ils aiment cette qualité, vous pensez? C'est une qualité qui est aimée des gens?
Al-Ihsan, ce qu'on parle, que je n'ai pas encore traduit. Al-Ihsan. Normalement, ça doit être aimé aussi des gens. Puisqu'on a dit que ce que Allah aime, les anges aiment et les gens sur terre aiment. Et Allah a dit qu'il aime l'Ihsan, Al-Ihsan. Sidna Yusuf, alayhi salam. Sidna Yusuf, n'aime Sidi. نعم بارك الله فيك هذا التعريف لغوي هذا التعريف ديال أن تعبد الله كأنك تراه راه هو التعريف الاصطلاحي لأن هذا هو يعني التعريف نبوي أما في الاصطلاح راه الإحسان هو يعني هناك تعارف كثيرة أما في اللغة الإحسان هو الإتقان الإحسان هو الإتقان Ami Moussa, il a dit quelque chose de très intéressant, très important. Al-Muhsin, c'est celui qui a la qualité de l'Ihsan. On a dit l'Ihsan, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'être constamment avec Dieu, de se sentir toujours dans la présence de Dieu. Mais Al-Muhsin, c'est celui qui a la qualité de l'Ihsan, qui veut dire, dans la langue arabe, celui qui a l'excellence. Quand il fait quelque chose, il cherche à exceller. Et ça, tout le monde aime ça. Quand tu travailles, pour ceux qui travaillent, ton patron, il aime que tu fasses un travail bâclé ou bien que tu fasses un travail excellent. Excellent. Al-Ithqan. Rahim Allah. Man amala amalan fa athqanah. Qu'Allah fasse miséricorde à une personne qui, lorsqu'elle fait quelque chose, elle le fait avec excellence. Elle cherche à se dépasser. Elle cherche à se dépasser. Allah, il aime. Si tu veux qu'Allah, il t'aime, il faut que tu cherches à être excellent dans ce que tu fais. À l'école, tu cherches l'excellence. Tu viens à l'heure. Tu viens avec ce qu'on t'a demandé. Ah oui, tu sais, c'est pas tu viens en classe puis tu dis, t'as pas une copie. Sahabé, tu viens en classe, t'as pas de copie. Pourquoi t'es venu? T'as pas un stylo. T'as pas un stylo. Pourquoi t'es venu? T'as pas un stylo. Tu vas faire quoi à l'école? Al-Ithqan, Al-Ihsan. C'est ça l'Ithqan. C'est pas vous, hein. Vous, je sais que vous venez avec tous vos affaires. Ça, c'est moi, ça. À l'époque où j'allais en cours. N'soumallah. N'soumarakoum. Subhanakallah. Mouhsinin. الإتقان. Et ça, l'Ithqan, tout le monde aime ça. Il dit qu'une fois, ça c'est, cette blague-là, ce n'est pas de moi. الأمانة العلمية. Alors, il faut dire, là, il faut être honnête, l'honnêteté intellectuelle. C'est une blague qui ne vient pas de moi. Il dit qu'une fois, il y a un homme qui dit ça. Il dit, moi, avant, à l'école, on me demandait de ramener tel stylo. Vous savez, HB, comme ça, tel... Hein? Vous savez comment c'est la liste des... Hein? Précision. Hein? Moi, mon père, le jour où est-ce qu'ils ont inventé le stylo 4 couleurs, il est venu à la maison et m'a dit, tiens, voilà ta trousse. Tout ce qu'il te demande, là, un bleu, un plume, un rouge, un ceci, un cela, avec un stylo, salam alaykoum, un nini. Non. Allahu yuhibbu al-muhsinin. Allah, il aime ceux qui ont l'ithqan. Ceux qui, lorsqu'ils font quelque chose, ils le font avec perfection. Avec précision. Et ça, tout le monde l'aime. Ça, tout le monde l'aime. La précision, l'excellence. Je suis au travail, mon travail commence à 8h, je vais à 8h, pas 8h02, pas 8h10, je viens même à 7h50. Si je viens à 8h, je ne suis pas excellent. Je suis dans les clous. C'est normal que je vienne à 8h. Si ton travail commence à 8h, que tu es là à 8h, ce n'est pas excellent. C'est le minimum. Je viens à 8h moins 10. Là, je suis dans l'excellence. Parmi les définitions de l'ihsan, de l'excellence, c'est le fait de rajouter quelque chose à ce qui est demandé. Voilà, par exemple, dans la vie mondaine, le travail, on dit tu viens à 8h, tu finis à 16h. Toi, tu dis, tu sais quoi, je n'ai pas encore fini ce que j'ai à faire, je reste jusqu'à 16h10, 16h15. Ben, ça, c'est l'ihsan. Dans le monde du travail.
Dans la religion, l'ihsan, par exemple, c'est quoi? Allah, il te demande de jeûner le mois du Ramadan. D'accord? Ça, c'est minimum légal. Et puis, tu vas jeûner le jour de Ashura, par exemple. Ben là, tu es rentré dans l'ihsan. L'ihsan, c'est ça, c'est le fait de rajouter. Parmi les définitions de l'ihsan, c'est le fait de rajouter une action de la même origine que celle qui a été demandée. La traduction, c'est le fait de rajouter une action de la même nature que celle qui a été demandée. Allah, il te demande de faire 5 prières par jour. Toi, tu fais tes 5 prières par jour, puis tu fais shfa'al ou itr, par exemple. Voyez, c'est ça, l'ihsan. Et donc, Allah, il dit qu'il aime l'ihsan. Il aime ceux qui se sentent constamment dans sa présence. Il aime ceux qui sont, qui se dépassent, qui excellent dans ce qu'ils entreprennent, à l'école, au travail, à la maison. À la maison, barakallahu fik. À la maison, l'ihsan. S'il n'y a pas d'ihsan à la maison, avec qui on va avoir l'ihsan? Vous savez, le meilleur centre de formation, c'est où? C'est à la maison. Ah ben c'est là. Quand je dis c'est le meilleur centre de formation, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que tu viens ici à la mosquée. C'est facile d'être un muhsin à la mosquée. C'est facile d'être bon avec les gens à la mosquée, d'être souriant avec les gens à la mosquée. C'est facile. Tu vas rester 10-15 minutes, tu vas faire ta prière, tu t'en vas. C'est facile. Akhi fillah, uhibbuka fillah, Allahu Akbar. Mais à la maison, à la mosquée, Allahu Akbar, uhibbuka fillah, ya akhi. Et puis à la maison, terminé. C'est facile d'être muhsin à la mosquée. C'est à la maison ou est-ce qu'on devient un vrai muhsin? Être muhsin à la mosquée, c'est facile. Mais où est-ce que tu es formé réellement à l'ihsan? C'est chez toi. Quand tu rentres du travail, que tu es fatigué, et puis que tu te retrouves à devoir maintenant pas faire de ta maison l'endroit où tu l'endroit du repos, c'est chez toi, c'est non mais c'est dit. Ah voilà, aide les qualités que tu as montrées à la mosquée, le sourire, la patience. À la mosquée, quelqu'un il vient et te dit, toi t'es comme ça, puis tu dis naam barakallahu fik, mashallah, jazakallahu khair. C'est facile, tu dis Allahu akbar. Toi tu te parles dans toi-même, tu dis Allahu akbar. T'as vu qu'est-ce que je suis un patient moyen endurant? T'as gonflé. Mais à la maison, ils disent juste, tu peux enlever tes chaussures avant de rentrer. Quoi? J'enlève mes chaussures? Mais c'est chez moi, non? Le centre de formation, vous savez, pour être des pieux, pour être un muhsin, pour être, c'est la maison, hein. Hein? C'est chez toi, avec ta famille, avec tes frères, tes sœurs, avec tes parents. Ah oui, l'examen, la salle d'examen, c'est la maison. La salle d'examen, c'est la maison. Quelqu'un, il lui dit, son ami, son sahab, il appelle. Il dit, allô, je suis en galère, est-ce que tu peux venir à tel endroit, s'il te plaît? Il faut venir. Il vient, il démarre la voiture 2h du matin. Il sort de son lit, Allahu Akbar. Il démarre la voiture, il prend sa caisse à outils et il y va. Et il est content. Sa mère, elle lui dit, mon fils, va à la boulangerie chercher une baguette. Il dit, maman, je suis fatigué. Hein? C'est pas vous. Toi, ça te fait rire parce que c'est pas toi. C'est des autres. Alors, c'est jamais un jugement. Hein? C'est jamais un jugement. C'est juste pour illustrer. Voilà. C'est une illustration. L'ihsan à la mosquée avec facile. À la maison, oh, c'est à la maison qu'on va voir si t'es muhsin ou pas. Mais ici, c'est très facile. Ah, c'est chez toi le premier prix. Comment tu t'appelles? Zakir. Tabarakallah alik. Tabarakallah alik. Magnifique.
C'est chez toi qu'on met le premier pied. Le premier pied vers l'ihsan, le premier pas vers l'ihsan à la maison. Chacun d'entre nous, il devient un muhsin ce soir quand il rentre à la maison. Tabarakallah alik. Allah yahfadak. Ah oui, c'est sûr ça, c'est sûr. Il faut être conscient de ce que... Ah oui, c'est pour ça qu'ici à la mosquée on en parle, on se réveille et à la maison on pratique. Ici on parle de l'ihsan, qu'il faut qu'on soit tous des muhsinin, mais chez nous on pratique l'ihsan. Oui, c'est vrai. Donc, je disais, on a... Ça va? Hein? Après on va arrêter. Ok, là... تعطلنا شي شويه الله يسمحنا منكم المهم دونك الله il dit qu'il aime les gens qui ont l'ihsan et on a donné quelques pas une traduction de l'ihsan parce que c'est pas vraiment important mais on a donné plutôt une définition une conception de ce que c'est que l'ihsan vivre dans la présence de Dieu savoir que Allah est avec nous qu'il nous observe c'est chercher l'excellence dans ce que je fais, dans ce qu'on me demande, me dépasser, et c'est rajouter au-delà de ce qui m'est demandé. L'excellence, c'est une chose. C'est-à-dire que si on me demande, comme je disais, de venir de 8h à midi, je viens de 8h à midi, c'est bon. J'ai fait ce que je devais faire avec excellence. Mais maintenant... Un autre sens de l'ihsan, c'est de rajouter. Donc on me dit de venir de 8h à midi, je viens de 7h50 à 8h15. À midi 15. 7h50 à 8h15, là. Voilà. Taïb. Et ça, had l'ihsan. Je vous disais que Allah, il aime l'ihsan. Et même ces créatures, elles aiment l'ihsan. Si tu arrives à avoir cette qualité de l'ihsan, tu vas devenir aimé d'Allah et aimé des créatures d'Allah. Parce que l'amour de l'ihsan, c'est quelque chose qui est fitré. Comment on dit fitré? Pardon? Qui est humain, qui est naturel. Voilà. L'ihsan, l'amour de l'ihsan, c'est quelque chose qui est naturel, qui est reconnu par toutes et tous. Je vous parlais tout à l'heure de Sidna Youssouf alayhi salam. Sidna Youssouf alayhi salam, il va aller en prison. D'accord ? Il va aller en prison et dans la prison, il y a deux personnes. Ils sont en prison. Ce n'est pas des musulmans, ce n'est pas des croyants. D'accord ? Mais ils se retrouvent en prison aussi avec Youssouf, alayhi salam. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils observent Youssouf. Et ils voient que Youssouf, alayhi salam, il n'est pas comme les autres prisonniers. Ils voient que Youssouf, alayhi salam, il a quelque chose de spécial. Qu'est-ce qu'il a de spécial? Ils voient en lui que c'est un prophète. Ils disent Naraka min al-mursalin. Ils disent Naraka min al-musallin. Ils disent on te voit que tu es parmi les prophètes. Ils disent on voit que tu fais partie des prieurs. Ils voient que tu fais partie des jeûneurs. Donc qu'est-ce qu'ils lui disent? Nous voyons que tu fais partie des muhsinin. L'ihsan, c'est quelque chose qui est aimé, qui est apprécié de tout le monde. Croyant, non-croyant, athée, le grand, le petit, le jeune, le vieux, tout le monde aime l'ihsan. Si tu arrives à devenir un muhsin, tu gagnes l'amour d'Allah, tu gagnes l'amour dans les cieux et l'amour sur terre. Parce que l'ihsan, c'est quelque chose qui est universel, qui est aimé de façon universelle. Al-ihsan, al-itqan, muraqabatullah azza wa jal. L'ihsan dans tous ses sens, dans le sens de la perfection, dans le sens de sentir la présence de Dieu, la vigilance, dans le sens de se dépasser pour les autres.
et tu deviens aimé de Dieu et aimé de ses créatures. C'est compliqué ou c'est pas compliqué l'ihsan? Non, mais c'est dit. Ami Moussa, il a dit avoir l'ihsan dans nos propos. Non, d'abord, il a dit fil af'al. Il a dit dans nos actes. أنا نعطيكم واحد المثال الإحسان في الأفعال شحال من واحد تقول يا سيدي هادو ماشي مسلمين ولكن فيهم نية إيش كيقصد غير أنا اللي سمعت هاد الهضره ولا حتى أنتم سمعتوها قال لك هادو ماشي مسلمين ولكن فيهم نية اسم النية هذه لعما فيهم الإخلاص لله عز وجل هذا هو المعنى قال لك هادو راه ماشي مسلمين ولكن فيهم النية النية بمعنى الإخلاص كنت اسكون دي vous savez des fois ça c'est une parole parce qu'Ami Moussa il a dit avoir l'ihsan dans ce qu'on fait dans ce qu'on fait des fois moi j'ai entendu cet exemple là des gens parmi les musulmans ils disent tu vois ces gens là c'est pas des musulmans mais ils ont niya. Qu'est-ce que ça veut dire ils ont niya? C'est quoi la niya? Non, c'est l'intention, c'est ça que ça veut dire, ils ont la bonne intention. Qu'est-ce qu'il veut dire par là celui qui dit ça, qui dit ils ont l'intention, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces gens là ils travaillent et ils font ce qu'ils font, ils font pour Dieu, ils font pas pour un salaire à la fin du mois. Non, qu'est-ce que ça veut dire فيهم نية بمعنى فيهم الإتقان. هادشي اللي تقصد ملي تقولوا الناس هادو راه ما فيهم ماشي مسلمين ولكن فيهم نية بمعنى ملي تيديروا شي حاجة تيديروها مقادة تيصوبوها يعني كما ينبغي هذا هو المعنى ياك. نعم سيدي. ولكن ملي تيقول لك اسيدي هذا راه ماشي مسلم ولكن فيه النيه بمعنى ملي تيخدم تيخدم بالاتقان. معقول يخدم بالاتقان. Quand les gens ils disent oui celui-là il est pas musulman mais ce qu'il fait il le fait avec niya avec bonne intention. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Ils veulent dire que ce qu'il fait il le fait avec itqan. Donc هذا الاتقان هذا راه غير ماشي مسلم وفيه الاتقان فيه الاحسان. وانت وانا ماشي انت انا المسلم سيدي وتنقرا والله يحب المحسنين وما يكون فيها الاحسان ما يكون فيها الاتقان. دونك lui c'est un homme musulman et il a l'ihsan. Moi qui suis musulman qui lis la parole d'Allah 5 fois dans le Coran, Allah dit Allah il aime les muhsinin et moi je vais pas avoir l'ihsan. Moi, il faut que j'ai l'ihsan. Moi, il faut que je sois excellent. Il faut que je me dépasse. Il faut que je sente muraqabat Allah Azza wa Jal. Que Allah, il m'observe, qu'Allah est avec moi. Que lorsque je regarde quelque chose, mon cœur, il se tourne. Lorsque je regarde la créature, mon cœur se tourne vers le Créateur. Allahu yuhibbu al-muhsinin. Qu'Allah, il nous donne cette qualité, inshallah. Nous Allah subhanahu wa ta'ala, an yaj'alana min al-muhsinin. Barzuqna l'ihsan. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.